La réconciliation est une obligation. On veut la paix pour notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Prince Alex. Papa Koudou, Laurent Papo. Laurent Papo. Papa Papo. AP de Turin. Bonsoir les amis, je vais essayer de ne pas trop crier parce que vous conservez la voix là-haut les amis. Ah, petite vidéo rapide, ah, afin de vous pas couper Laurent Gbagbo là non, ah, on parle un peu rapidement là. Nous, vous savez que les gens sont dit, mais il vient quand, dans quel cours, comment on appelle, monsieur Assoadou, docteur Assoadou, et puis les autres là sont allés voir, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'ils sont allés négocier, c'est quoi, ils négocient, quoi. Mon cher, ils ont posté dans le journal, Africa Intelligence là que, ah, que le président Laurent Gbagbo refuse d'avoir un échange téléphonique avec Daro, les familles. On dit en dépit de plusieurs interventions, l'invitant à le faire. Yeah! On dit le président Laurent Gbagbo considère qu'il n'a pas à négocier son retour. Il n'a même pas à négocier ça. Donc, on dit que, comment on appelle, on dit toujours, selon Africa Intelligence FLA, que les discussions qui ont débuté avec le docteur Assoagoudou, là, vous vous rappelez, non? Vous rappelez des discussions avec Ahmed Bakayoko, le premier ministre Ambak. On dit que les discussions apportent moins sur le retour du président Gbagbo. Et ça ne parle pas de ça forcément. C'est plutôt sur les conditions de son retour. Sinon, ce n'est pas à fait de demander s'il peut venir. Non, c'est les conditions de son retour. C'est pour ça qu'eux, ils vont là-bas pour lui parler. Ça veut dire comment il va avoir une garde à rapprocher, vous voyez, non, la mise à disposition d'une garde rapprochée, c'est ça. C'est ça qui est le point. Tiens, donc, on dit, il refuse de parler d'en haut, les amis. Il ne veut pas la mamaille. Il n'a pas envie d'entendre la mamaille dans ses oreilles, oh, les amis. Tcha, le woody des mamas. Tiens, il ne joue pas, hein. Il dit, il ne veut pas parler. Ok. Donc, terminons notre vidéo, là, petit affaire au dîner, oh, les amis. Tcha, au dîner. Attendez, je vous lis quelque chose. On dit, a fait des législatives au dîner, là. On dit, il y a un député. Le député sortant, là, il est allé présenter sa candidature à ses parents, non, avant-hier, là. On dit, dès qu'il a fini de donner la nouvelle, les parents lui ont posé aussi une seule question, oh, les amis. Ils disent que, pourquoi vous avez accepté, qu'on paie 5000 francs pour la carte d'identité? Vous savez ce que le député l'a répondu. Il dit, c'est pas moi seul. C'est même pas moi seul, je vote. Même si je disais non, ça n'allait rien changer. Parce que les gens qui ont dit non là, étaient nombreux. Les parents répliquent en disant, même si tout le monde a dit oui, pourquoi toi, tu n'as pas levé ta main pour dire non? Tu sais bien que, en Akkad là, ils ont mal payé, non? Tu sais ça, non? On dit le député honteux répond, oh les amis, écoutez sa réponse. Oui, je sais très bien. On dit qu'il a dit cela, les parents l'étaient remontés comme ça. Vous savez ce qu'ils ont répondu? C'est Alassane qui t'a envoyé, non? Va lui dire que nous, on veut plus de toi. Danganto. Hey, les amis, Danganto là, ça veut dire quoi, oh les amis? Tchè. Ah, là, on dit, ils ont fait suggestion. Oh. La personne qui a posté l'a dit de faire suggestion là. Tous les candidats du RADP qui viendront chez vous là, posez-leur la même question. Si chez toi c'est café, si chez toi c'est cacao, si chez toi c'est ananas, quel que soit ce qui tu plantes chez vous là, chez toi là-bas, ce que tu vends le plus chez vous là, chez toi là-bas là, il faut leur poser la question, les amis. Tcha. Ok, moi j'ai fini ma vidéo, j'ai fini mon affaire. Je vous laisse, c'est pas plus tard. À tout à l'heure, bye. Et avant que je ne termine, il paraît qu'il y avait des rumeurs. Bon, moi, mais j'étais un peu au courant de ça. Bon, je n'avais pas parlé de ça. Que le président de l'Assemblée nationale là, n'était plus de ce monde. Il paraît que c'est faux. Ceux qui ont entendu ça là, si vous avez entendu ça quelque part là, il paraît que c'est faux. Dieu merci, moi, il n'avait même pas parlé de ça même. Donc, mais c'est juste pour vous dire que si vous avez entendu qu'on dit le président de l'Assemblée nationale n'est plus, c'est une simple rumeur quoi. Comme eux-mêmes, ils aiment le dire. C'est fake news. C'est fake news. Ok, cette fois, on a vraiment fini. On dit vraiment félicitations à l'honorable Simon Doho, qui a été nommé conseiller spécial du président Henri Konan Bédié en charge du développement. Voilà. Donc, en tout cas, c'est lui que le président Henri Konan Bédié a choisi. Vraiment, félicitations encore à lui. Ok, les amis, je vous laisse. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bonne arrivée. Merci d'être là. Merci beaucoup aux anciens et que Dieu vous bénisse. Bye bye. On se dit à bientôt. Bye, les amis. Un
Ayo,